Et salut tout le monde, ça y est, on a enfin une date de sortie pour le nouveau contenu de Crusader Kings 3. Bon, il y en a certains qui vont être déçus parce que c'est ni un DLC majeur, ni même un Flavor Pack, c'est un nouveau type de DLC qui s'appellera du coup un Event Pack, un pack d'événements. Tout ça va accompagner le patch 1.7 et ça sortira le 8 septembre prochain, c'est-à-dire la semaine prochaine, dans pas longtemps. Donc cet Event Pack s'appelle Friends and Foes, plutôt centré sur les relations, et ça va rajouter plus d'une centaine d'événements. Et ça, c'est pas mal parce que c'est ce qui fait la richesse du jeu d'avoir plein d'événements différents. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on tourne un petit peu en rond au niveau des événements, on les a très fréquemment, donc ça va rajouter beaucoup de richesse et c'est plutôt appréciable. Alors à quoi on peut s'attendre en termes d'événements? Bah plein d'événements par rapport aux relations, que ce soit de l'amitié, de la rivalité, des personnages qui vont vouloir se venger, un fils qui devient déloyal, enfin plein de choses comme ça par rapport à la relation qui va enrichir la cour, les relations familiales, les relations avec les amis, et tout ça qui coïncide bien avec ce qu'ils ont fait pour le patch 1.7, c'est-à-dire les mémoires et le retravail des relations. Je vous laisse aller voir les deux vidéos que j'ai fait sur le patch 1.7 qui va accompagner l'Event Pack Friends and Foes. Et le contenu du patch 1.7 sera donc gratuit, mais Friends and Foes, qui sort le 8 septembre, lui sera à 5€. Ce qui est pas très cher pour une centaine d'événements, ça fait toujours 5 balles à sortir, mais bon, ça va, c'est pas une très très grosse dépense. Par contre, je sais pas si vous avez eu la nouvelle, mais maintenant les Flavor Packs vont passer à 13€ très bientôt. Donc si vous avez pas pris les Flavor Packs et que vous les voulez, prenez-les maintenant, parce que sinon ils vont passer de 7€ à 13€. Le 13 septembre, je crois. Donc, allez-y maintenant si vous les voulez. C'est le meilleur moment. Je vais répondre aux questions que vous vous posez sûrement. Est-ce que ça va faire partie de la Royal Edition? Non, la Royal Edition, c'est terminé. Il y avait Northumberland, Fate of Iberia, Royal Court et Abbasid Fashion. Maintenant, la Royal Edition, c'est fini. Il n'y a plus rien dedans. Vous avez déjà tout eu pour votre argent. Est-ce qu'il va avoir un nouveau Season Pass? Ça, on ne sait pas. Peut-être. Il y a des rumeurs qui disent que oui, que non. On ne sait pas du tout. Ça sera sûrement annoncé prochainement. Mais on sait que Paradox aussi aime bien fonctionner avec un abonnement mensuel. Donc je ne sais pas lequel des deux ils vont choisir pour leur politique de DLC. En tout cas, je vous tiendrai au courant dès qu'on a une nouvelle là-dessus. Est-ce que je vais acheter cet Event Pack? Bon, ça, la réponse est claire. Oui, vous savez très bien que j'achète tous les DLC dès qu'il y a un truc sur Paradox. Est-ce que cet Event Pack vaut le coup? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui me manquait dans Crusader Kings 3, d'avoir encore plus de variété d'événements. Donc ça, ça va résoudre un des défauts que je lui trouvais pour l'instant. Est-ce que je vais faire un nouveau let's play le 8 septembre quand il va sortir? Bien sûr, et on sera aussi en live le 8 septembre sur Twitch dès que ça sort. Donc vous pourrez venir voir si vous voulez vous faire votre avis avant de l'acheter. Et en attendant, vous avez aussi le let's play de Lady Zara avec les Zoroastriens qui essayent de conquérir l'Empire Perse et de le convertir. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui, c'est vraiment une toute petite vidéo pour vous donner l'information de la date de sortie, du contenu, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Bah maintenant, vous le savez, vous pouvez compter sur moi pour vous donner les infos, et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles aventures en let's play, en live, ou autre chose. Allez, ciao !